Assalamu alaikum. Alaikum salam. Comment vas-tu? Je vais très bien. Voici notre sœur Fatoumata qui va nous parler de l'histoire de Aïcha, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'une des mères des croyants. Tafaddal, ya ukhti. Aïcha, la femme du prophète. Aïcha est née vers 614 à la Mecque, la fille d'Abu Bakr Siddiq et Umm Rouman. Aïcha était une femme très intelligente. C'était l'une des femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'est mariée avec lui entre 9 ou 10 11 ans. Concernant leur mariage, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait fait un rêve dans lequel il a vu l'ange Gabriel lui présenter un morceau de toile dans lequel quelque chose était enveloppé. Le prophète lui demande qu'est-ce que c'est. Et l'ange répond, ta femme. En soulevant un coin de l'étoffe, il découvre Aïcha. Après, il se rend chez Abu Bakr pour demander la main de sa fille. Aïcha était l'épouse favorite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un des compagnons du prophète le questionne. Qui aimais-tu de plus? Aïcha, répondit-il. Pour les hommes, précisa-t-il, le père de Aïcha. Après lui, Omar ibn Khattab. Puis il cita d'autres personnes. Il aimait Aïcha pour son intelligence et la vivacité de son esprit. Bon nombre de hadiths et les traductions ont été rapportées par Aïcha. Elle est décédée vers 678. Masha'Allah, merci beaucoup ma grande. Et on vous dit merci et au revoir. Salam alaikum.